Rafiki community eza ko aider batu tout na kata Birmingham oya papa Jacques eza ko aider batu tout na kata Birmingham eza le problème ya bénéfique eza le problème à Ndak eza le problème à Mukanda ba ko aider yo Africa French speaking community eza ko aider bino makamba pale eza ko aider bino makamba ya nini ya bénéfique eza ko aider bino makamba bilo kwa Ndak. Nous avons aidé à ma campagne, surtout il y a mis Kanda d'infraction au Bimba. Il y a un mot pour nous. Pour nous, nous Kanda. Pour en Afrique, French speaking community. Pour Papa Jacques, na Birmingham. Pour Yako, pour Yako. Pour Landa, vous pouvez na Facebook, na Bango. UKSA TV. Na kata Facebook, na Bango, pour Landa, Bango, pour Kotikuna. Pour Kota, pour Tuna, pour Beng, ça y est, bureau. Pour Sololi, pour ça, les solutions, nous sommes tous à Makambo et Tali, administration et Mokoye. La Birmingham. Allez, on va dire. Je serai la tête. Yes, yes. Meilleurs voeux à vous tous, chers internautes, amis et fidèles de UKFC. Amis de la découverte, nous sommes de retour sur les plans, sur la scène pardon, médiatique ce soir, après un long temps. Et on avait d'autres chats fouettés, mais je sais que beaucoup, vous nous avez écrit, vous avez demandé. Et nous voici de retour, comme on dit, de retour en force. Là, nous commençons notre année avec lui-même, le chairman, Jacques Mathensi, que beaucoup connaissent et... De toute façon, il va encore se présenter davantage pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Et alors, sans plus tarder, et je vais passer la parole à mon invité de ce soir. Je vais lui dire d'adresser quand même un mot. C'est une nouvelle année. Ça fait quand même longtemps qu'il est passé sur cette émission avec bien votre humble Maggie Ndati Kalanga. Alors, directement, je passe la parole à mon invité de ce soir. Bonsoir, Papa Jacques. Bonsoir, Maggie. Papa Jacques, est-ce que, pour plus, vous pouvez vous présenter à nos internautes? Je sais que beaucoup vous connaissent déjà, mais pour ceux-là qui ne vous connaissent pas. Bon, bonsoir, chers internautes, et bonne année, meilleurs voeux à vous tous qui nous suivez en ce moment. Donc, moi, c'est Jacques Mathensi Kubanza. Je suis le chair de l'ASBEL, ou ONG appelée African French Speaking Community Support. Donc, un groupe d'appui aux Africains parlant la langue française. Et nous sommes basés ici à Smithwick, donc à Birmingham. Et comme... Vous allez les constater, vous allez les découvrir. Nous essayons d'aider les nôtres, donc vous qui êtes là, qui êtes dans les besoins, sur le plan de diverses manières. Vous pouvez venir ici au bureau, tout comme nous pouvons aussi le faire au téléphone. Donc, nous aurons à découvrir tout cela dans la suite de ce programme. Merci. Merci beaucoup, merci encore une fois de plus, merveille, bonne année, toutes les bonnes choses de la part de toute l'équipe de La Découverte ainsi que toute l'équipe derrière des UKFC. Ce soir, c'est une nouvelle année, c'est un nouveau jour. Aussi, il y a des belles et bonnes choses. Alors ce soir, vous allez découvrir ce que Papa Jacques a réservé pour vous. La communauté francophone en général et particulièrement congolaise. Ce soir, nous allons parler de tous les services que cette communauté, que cette organisation offre à notre communauté et bien sûr gratuitement. Ce n'est pas vraiment du nouveau, mais cette année, Papa Jacques va en faire une nouveauté. Pourquoi une nouveauté? Parce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles, il y a d'autres nouveaux services qui vont s'ajouter toujours dans le bénéfice de la communauté. Alors, Papa Jacques, la
vous êtes en face de nos compatriotes, de toute la communauté française qui vous suit ce soir. Vous avez énuméré un bon nombre de services. Et alors, nous commençons, nous allons partir selon les temps que nous sommes impartis. Nous commençons par les logements. Je ne sais pas, quand vous parlez du logement, essayez un peu d'expliquer à la communauté, expliquer un peu à nos internautes, les logements, ça se passe comment? Et si quelqu'un est dans le besoin, parce que j'ai, sur tous ces services, il y a des questions qui sont mes questions, il y a d'autres qui sont les questions des gens qui m'ont envoyé avant l'émission, quand ils ont vu des leaflets. Déjà, j'ai une question, mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire clairement, dans des mots clairs, quand vous parlez du logement, et c'est quoi et ça se passe comment? Bon, brièvement, nous donnons beaucoup plus l'information à nos bénéficiaires ou aux clients. Comment accéder au logement, tant dans les domaines des maisons sociales que des maisons privées. Bon, pour ceux qui ont déjà des maisons et qui se trouvent en difficulté, par exemple, Ozana problème moko, batwa repair, réparation, batwa yete, nda kwezo suente, nda kwezana ba vapeur, tout ça. Si la personne ne peut pas s'exprimer en anglais, à partir d'ici, on peut appeler soit les councils, soit les housing associations pour essayer de prendre un rendez-vous pour que la réparation soit faite. Et puis, ce que les gens doivent retenir, c'est que ce qui est un problème, non, et que bisotwa na sima, ce qui tobengi, bah, ça rend beaucoup plus au sérieux puisque bah, et bien que ce tout seul en côté, bah, toi na ouro benja la bisomindondo. Et puis, ce que nous faisons, colander la problème bien bien. Bon, on a vu des cas, il y a batu ou bazan anda koumé, bazan surpeuplé. De problème à surpeuplement, overcrowding. Bon, à ce moment, il n'y a pas de solution miracle que d'expliquer procédure pour que vous en d'accord bien, surtout ce qui vous osez là, d'accord, council. On dit clairement que nous voilà, d'accord, au comité dans 3 ou 4 mois, puisque tu y a un système, un système est fonctionnant. Alors, tu occupes ça, ben, information, fausseté, nabatou. Ce qui, par exemple, au Yéna Birmingham City Council, lelo au côté dossier noy andaku, aux osseng andaku, ça peut te prendre même 4 ans avant aux andaku. Et biso to rose la onate poto bisa mutke no voilà, de osse lelo aux rapidement. Non. Il y a ba service où peut-être dossier a bloqué, il faut peut-être qu'on contacter MP pour que a débloquer dossier. Et puis, bah, conseil, moussous, par exemple, batban abandako privé, au commun à moutoua, et puis, que non, voilà, nazo bimanandako, yundako, et ça bien été, n'a comme homeless, comme ça va pesangandako. À ce moment-là, ce qui moutoua avant sa décision, aya qui est pas nabiso, t'ok expliquer bien, bien que, au gogui commis commissario moko homeless te, puisque, quand c'est la repèse, yundako te, puisque, ils a ba policy, donc, ils a ba règle. Alors, il faut tout expliquer moutou à comprendre. Azwa décision sur base il y a ba information il y a bien mingi peu comme on a en ville mususa lingoya na Birmingham par exemple to ko pese conseil parce que question nakachote papa Jacques c'est justement la question au batine de la kinga bande koyo bazana convention je crois bazolanda couple kanga et dit pepe kanga question na bino botindaki donc yango e komi. Ceci n'a pas été convaincu, balingi ba ya na Birmingham. Sikoyo, ça se passe comment? Est-ce que il y a possibilité, il y a que ça là parce que bazana ndako déjà na conseil, est-ce qu'il y a moyen, il y a que ça là changement ou bien ko longwa et ko ya awa comment ça va se passer ce qui
Ah oui, question est vraiment très importante. Sengili ba yebake, étant donné que bazan andaku, premièrement baza ba homeless ti. De cela veut dire que ce qui boye beaucoup tissi demande ya ndaku donc bo filer ba forme. Ba formulaire nous surtout écouti d'une part ba koki ko boya que te ko pese bino ndaku ti. D'autre part, ce qui vous en a un motif valable pour vous salaké, bah aider binon aussi longtemps que vous avez un accord d'endakwana, vous avez la priorité. Donc, mon système à bande, peut-être vous en a bande 6. Donc, bande dans vous avez peut-être 8 ans ou 7 ans pour vous en d'accord. Alors, biso conseil de pèse que vous en nini, moutignon surtout en a liberté, yako kende place n'yon surtout à l'ingé. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, ils ont un système, il y a swap, ou bien ben gaga home swap. Donc, au côté remplir formulaire, il y a home swap. Formulaire, wana, il faut housing manager, il y a area, donc il y a quartier nabino à approuvant. Ce qui est approuvant, c'est qu'il y a un live sur le plan national. Ce qui veut dire que ce qui, par exemple, Moutouaza, à Wana Birmingham, à l'ingo kende convaincu. Et que YP a été dossier dans le système à swap, à quoi mon andak wana, a contacté famille, après aller au tala, ce qui a moni que ça va, YP au yé, au talinda kune, au moni que ça va, c'est mieux. Et ça peut prendre beaucoup de temps, puisque rien n'essaie de courir, mais il faut partir à temps. Donc, première démarche, les gens, il y a aussi la swap wana. Bon, peut-être les appels un système où, puisque. Website ou un site internet ou un offélé. Mais ça peut se faire que, et vous avez la peine à un site, peut-être il faut que vous à moi quelque chose comme ça, bango bazo, bazo salango rapidement. Donc, système, il y a bien ou il y a propre que vous avez un d'accord social, social housing, na ville moko, ou il y a un d'accord social housing, na ville moussous, et un système, il y a swap. Bon, en dehors, il y a swap, na lingi pe bato ba comprendre, puisque ils ont loi. Par exemple, moutounyo surtout aza victime, il y a violence domestique. N'a pas preuve, il y a la police. Donc, ce qui osa vino eza en danger, et que au sengeli okima, okima na n'importe quel conseil, bako aide yo. Bako peso ndako directement. Ou vous avez un refuge ou un homeless center. Bon, bah, je reçois au côté d'un homeless center, ou vous passez même une année, ou vous passez deux ans. Ça dépend, il y a ndakwa combien de chambres. Ce qui, on a besoin de quatre chambres, bah, ndakwa quatre chambres, comme pratiquement impossible. Donc, ils sont tellement rares que, moutako ou melatro avant que Azuango. On est surtout à Birmingham. Mais ce qui est ndakwa trois chambres, ndakwa deux chambres, ça peut aller. Et puis, baka ndengwana, c'est toujours important. Il y a koluka ba conseil donc zawana pour que topesa ba conseil wana gratuitement. Donc pour na me résumer, donc mutazana ndako social côté kombono na swap, dossier na swap, peut-être je ne sais pas combien de temps ça peut prendre mais ça peut marcher. Et logo musu to salaka mingi ba contacte abiso topé sabango ba website ou ya ba maison privée omoni donc bazoti ndilo bandaku na website mingi za lokwa ba misala aussitôt que au CP nanda kumoko au contacter ba to a letting agency donc ba state agency ce qui ba ndimi au répondre na ba critère na bango ba misu zifo ba bimisa ba garante donc mutazo peso garantie. Monsieur, il faut déposer ce qui est ça, en principe. Problème, vous allez résolu à ce moment au Tuni, local authority, consulté, mais au Yeno, au Kotindaku, au Zeli, ti, au Moni, Bisopé, Ming, tu comprends, qu'en dehors, à Council, ils ont la peine à Housing Association. Bon, maintenant, la Housing Association, Moussousou, Batiaka, ba stock, Yabandaku, Nabango, Naba website, à Council, au place tout ça là-bas bidding mais bah mis sous soupe banda qu'on a bango donc il faut qu'on remplir c'est-à-dire que quand on a waiting na housing waiting list na bango
au Komisi Kombo. Ti jour Kombo ne goko maliboso ba invité yo pour kota landako omoni. Donc ba housing association musus il faut au sala interview. Donc ba interview yo ba yiba ba besoin no après ba koti dossier. Donc il faut total ara, il faut pas seulement to wey la ka l'état, l'état dans ce sens il y a council, mais ba housing association musus pe exam exam mingi, donc il faut total lango ba information na nous surtout to pesa kango e pa bato pour que bato bango moko ba tenter ba luka et ba compléter ba formulaire ou akokokate et kazana information aye na office to selyango, mais na office c'est un peu difficile ya ko luka puisque za ebele omoni dobo wofana na mudute bo luka housing association nini par exemple zone di mabati mikolo omoni c'est trop à faire. Alors to pesa ka la liste peut-être 30, 40, bah, tu vas looker, ce qui va m'en yango, tu vas aider bah, même la téléphone pour te remplir la forme. Ok. J'espère que ça est clair. On a au PCBUS, on a au Italie logement. Bah, de quoi la bus au pays, boyo qui m'entoure dans la bino et à nous, na yango. Alors, papa Jacques, on a habité à Tchela qui bus au Liflet. Ce qui, moi, Liflet, est allé pendant que nous avons passé la question de Soussou. Comme ça, na bande ko yo ba ko ko zo moi élément moko important ko téléphone ou bien un contact bien papa Jacques a pe ça ba détail à la fin. Alors éducation c'est un peu vaste, éducation ça penda monene kendona donc alors ba les fêtes en wana toujours bisous nous sur bande ko toujours ta là monta zo ta là ce qui moi stylosa pembeni aux UP aux noter au monique au coquille kozoa aux en avoir besoin parce que je crois que nous tunions so à ko se retrouver quelque part na ba service au nyonso et au pesama na et sika o. Alors papa Jacques, éducation éducation au moni juste na le ben peu moi melo mowe sekisanga ndeko moko alobaki bazali na matanga omonika ba jeune na biso ndeba lobaka doka tolo ba batunyo soto bazoyo keke no omoni mboka Congo biso soto zongi biso batuto ko dirijango omoni doka zoloba ah après ndeko musu sezala ki wana ayoki alobi era silisi aya tunie ah ndeko yo otanga nini ah non omoni natanga kate tout ça ah. Ah, ben, mais autant qu'on a attendu, nous devons diriger Mboka. Donc, ce qui veut dire que tout ça, awa na Mboka, na Europe, ou ba opportunités à Mingi, à tous les niveaux, c'est ainsi que parmi les activités, tout ça, là, ka, il y a l'éducation. Bon, pour que tout ce qui est Mikolo, tu tiens en place, ba courir à Isol. Il y a anglais mingi ndenge to ya ke moni ndenge to koma na bamboko pouf bo komika bo bo bandika yo donc mingi bazwa tenter ya aucun des collèges donc c'est ainsi que ba difficulté ça là toujours et puis il faut qu'on réponde na ba difficulté wana mais ba misusu pe ba bando ke ndé kayo bazo ke ndé pe collège bon awa to na possibilité ya ko pesa ba cours ya Isol et si ko ndenge to zo loba toza na accréditation ya accent c'est-à-dire qu'accréditation là ici que OK cours ya Isol tozana entry 1 entry 2 entry 3 ndenge bakenda na collège après au sali examen et puis au juste certificat toza susuna ba cours ya digital skill for administration donc business support donc mutunyo sotoa o ayebi makambu ya informatique te ya IT a kokoya a komisi a sale formationné il y a 5 6 donc disons 6 mois donc a koyeba makambo ba basic nyo surtout ya informatique donc level 1 na level 2 tout ça la nyo surtout nous le faisons beaucoup plus pour la communauté francophone bien sûr que les membres d'autres communautés peuvent aussi venir mais notre première cible c'est vous. Alors, tu en as besoin, Batubaya va se faire inscrire pour que tu bandes à courant. Depuis que tu bandes à courant, tu bandes salango mingi pour na bato ba fani na Sandwell. Ba habitant Sandwell, mais wanezalo kula kurmoko financé par
batwa 100 dollars. Mais oyoto banda bakura crédit teza n'importe qui. Ah, vous pouvez venir de Wolverhampton, de Walsall, de Dudley, de Birmingham, de n'importe où. Vous venez, vous participez à ces cours-là. Donc, ce qui, par exemple, groupe Yabatu. Si vous êtes en groupe, par exemple, de 10 personnes et que vous voulez que les cours se donnent, par exemple, de 18h à 21h, les samedis ou les dimanches, nous sommes prêts à les faire. Donc, il y a même ma faveur. Mais sauf que ce qui bon inscrire et que nombre y a des étudiants qui ont quitté moins beau banda ils ont été donc jusque là pour les cours accrédités entry one entry two entry three on n'a pas encore commencé puisque jusque là on n'a pas encore recruté assez de gens assez d'étudiants donc nous attendons toujours vous qui nous suivez vous qui voulez étudier l'anglais c'est vraiment une opportunité. Ça va arranger tout le monde, venez. Et pourquoi nous le disons, c'est puisque nous avons passé pratiquement 20 ans. Il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Et si on ne prend pas cette décision de commencer quelque part, donc on ne fera absolument rien. Et pourtant, quelqu'un peut commencer par entry one, commencer à évoluer jusqu'à level 2 et ensuite aller à l'université. C'est ce que nous avons fait tous. Mais il ne faut jamais se bloquer ou penser que je ne peux pas le faire. Non. C'est-à-dire que rien n'est tard dans la vie. Nous, surtout, nous avons dit que niveau y a anglais, ils ont bien été opportunités. Et puis, vous avez remarqué qu'il y a plus de gens qui vont à l'université parce qu'il y a des opportunités des gens qui vont à l'université, ce qui est bien. Mais en allant à l'université, si votre niveau d'anglais est bon, vous aurez des facilités pour réussir et puis évoluer dans des bons boulots, obtenir un emploi par rapport à votre formation. Maintenant, quand le niveau d'anglais n'est pas bon, on a trop de problèmes et quand on finit, des fois, on n'arrive pas à aller solliciter un travail par rapport à votre qualification. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle nous invitons les gens à venir se faire inscrire pour soit étudier l'anglais, commencer à entry one ou entry two, entry three, et aussi avec l'informatique. Si vous faites l'informatique level one et level two, ça peut vous permettre de faire level free et d'aller à l'université pour faire l'informatique, si vous voulez bien, ou faire d'autres disciplines. Bon, mais, au niveau... Oui. Mais par exemple, au niveau de l'éducation, est-ce que ici, c'est juste entry 1, 2, free? Ah oui. Mais maintenant, après ça, est-ce que vous aidez les gens à continuer avec le programme académique ou bien eux-mêmes, ils vont... Bon. Ils vont chercher comment... Non, je vais vous donner un exemple. Quand nous avons commencé les pré-entry, c'est-à-dire que l'anglais avant d'aller au collège, il y avait pratiquement 12 étudiants qui sont venus ici. Certains parmi eux étaient même refusés au collège. Donc, on les a refusés au collège. Ils sont venus, après 3 mois, ils sont retournés au collège, tous ont réussi. Et ils sont venus pour nous féliciter. De ce qui veut dire que quand vous avez étudié, on est toujours là pour donner des orientations. Donc, on ne sait pas commencer level 1 puisqu'on n'a pas encore des étudiants qui sont passés par chez nous. Ah oui, ça veut dire que si nous avons un groupe de gens... C'est pourquoi je voulais juste savoir, avoir juste un éclaircissement là-dessus. Ah oui. Si, par exemple, quelqu'un finit les entry 3, et que vous n'avez pas encore commencé avec le level 1, c'est-à-dire que vous allez l'orienter aller au collège. Oui, oui. Ah oui. Donc, tout ce que nous faisons là, c'est exactement ce qui se passe au collège. Ah oui. Mais petit à petit, plus il y a de gens, plus aussi on saura développer level 1, level 2 et puis d'autres niveaux. Maintenant, toujours dans le domaine de l'éducation, il y a une activité principale que nous donnons,
c'est le Homework Club pour Supplement Education. Aider les enfants, surtout ceux qui ont des difficultés en mathématiques ou anglais. Bon, on ne sait vraiment pas accueillir tous les enfants. C'est déjà commencé ou ça va commencer? Non, nous avons déjà commencé cette activité, sauf que la capacité d'accueil, c'est-à-dire qu'on ne sait pas recevoir tous les enfants. Donc, et puis, pour le moment, c'est quoi, le nombre maximum, c'est combien vous... Non, c'est-à-dire que comme on a commencé récemment, il y a peut-être 10, 12 qui viennent. C'est tous les samedis, ici, au niveau de notre drop-in center, de 12h à 14h. Donc, on pourra bien arranger ça. Mais sinon, on a déjà commencé. Là, vous n'avez plus besoin d'enfants pour le moment. Bon, on ne fait pas une publicité pour dire que venez, 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 mais quiconque vient avec ses enfants, les enfants auront toujours accès à nos ressources. Okay. Ah oui. Parlons encore, alors, Papa Jacques, de l'emploi. Non, pardon, je voudrais aussi en finir avec l'éducation pour dire que nous avons les groupes de jeunes, de jeunes ingénieurs congolais au sein de SENA, donc Congolaises, Engineers, Network, Association. Donc, on est là en train de promouvoir des études liées à la science, à la technologie, à l'ingénierie et puis aux maths. Donc, c'est ça. On est vraiment en train de promouvoir pour que les parents comprennent que les études, ce n'est pas seulement aller faire de business, aller faire health and social care ou tout ça, mais il y a aussi l'ingénierie. Et chaque jeune vient avec les compétences qu'il a acquise au niveau de son secteur. Et si vous avez pu remarquer, nous sommes en train de faire des émissions sur le réchauffement climatique. Et ce sont ces jeunes-là, des ingénieurs, qui interviennent jusque-là pour expliquer chacun dans son domaine. Et puis, j'aimerais déjà en avance informer les gens que le 19 mars, si Dieu nous prête vie, nous aurons à organiser un grand workshop, un grand atelier où on va inviter tous ces jeunes-là et puis d'autres organisations pour parler de la science, puisque ça sera British Science Week, et on va promouvoir, donc on va démontrer aux enfants de pouvoir réfléchir sur leur avenir sur le plan de leurs études et puis embrasser toutes ces études d'ingénierie et puis de technologie, puisque nous avons besoin de ces genres de compétences dans tout ce qui se passe dans la vie. Donc, on ne peut pas se passer de la technologie, on ne peut pas se passer de la science, tant au niveau de la santé, au niveau des maisons, au niveau de l'environnement, tout ça. Alors, on aimerait que nos enfants s'orientent aussi dans ces domaines afin que, qu'ils puissent bénéficier de toutes ces opportunités que ces pays nous accordent. Ah, ça, c'est très bien. Alors, parlons de l'emploi. Il y a des gens qui ont demandé si vous offrez des emplois ou bien c'est juste vous êtes juste un canal par lequel quelqu'un peut trouver du travail. Donc, juste expliquer pour ce qui concerne l'emploi, ça se passe comment? Oui, trop souvent, quand nous sommes venus ici, il faut que quelqu'un puisse t'accompagner. Par exemple, dans une agence, quelqu'un qui est vraiment bien introduit dans une boîte, alors aussitôt que tu perds ce boulot, tu es aussi perdu. Tu commences à chercher. Maintenant, ce que nous faisons ici, c'est donner des compétences, donc les skills. Comment chercher de l'emploi, comment donc préparer les gens dans les interviews, faire des CV. Faire des personal statements, tout ça, c'est ce qui est demandé quand quelqu'un veut postuler un emploi. Donc, c'est vraiment un service que nous rendons à tout le monde qui vient, c'est question de prendre rendez-vous. À un certain moment, on donnait même les cours d'anglais du travail, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus... L'anglais professionnel. L'anglais professionnel, oui. Et donc, l'anglais...
qui te permet de comprendre des petites instructions. Oui, puisque nous, quand on est venu des fois, tu vas au travail, quelqu'un devant toi en train de t'expliquer, voilà, tu ne comprends absolument rien. Ce sont seulement les gestes, tu vois. Bon, mais ici, on donne un peu ces cours-là, mais quand les gens viennent, c'est un service qui est gratuit. Nous avons notre centre, donc notre centre de formation où il y a des ordinateurs, donc les gens peuvent venir faire leur CV, les imprimer ou les attacher dans leurs emails. Faire tout ce qui est personal statement, personal profile, CV, et puis commencer à chercher du boulot, puisque ce que nous voulons, c'est de promouvoir la communauté. Quand quelqu'un est chômeur, il est chômeur, il faut lui trouver de l'emploi. Et des fois, c'est toujours important de trouver un emploi durable plutôt que d'aller faire un travail, et puis après 3 mois, le travail n'est plus, il faut revenir dans les bénéfices et puis ça complique avec la maison, tout ça, ce qui n'est pas intéressant. Alors, on voudrait quelque chose de stable où les gens peuvent venir et puis du côté de l'emploi, on ne donne pas de l'emploi, mais quiconque veut faire le volontariat peut le faire. Et puis, on a fait la publicité d'un poste d'emploi au sein de notre organisation. Donc, c'est sur BVS, donc Birmingham Voluntary Service Newsletter. Donc, c'est sorti aujourd'hui. Donc, quiconque peut aller à Birmingham, BVS Newsletter verra le communiqué de l'emploi. Donc, on va recruter quelqu'un d'autre qui peut, un staff pour le domaine de welfare, le domaine d'immigration. C'est ça. Donc, les gens peuvent faire le volontariat pendant que vous n'avez pas du travail. Vous pouvez faire le volontariat dans nos divers services. Et cela vous donne un peu d'expérience puisque quand vous vous présentez devant un employeur, vous avez la même qualification. Et si quelqu'un vient avec une expérience comme étant un volontaire, donc celui-là peut-être sera privilégié par rapport à l'autre qui n'a pas d'expérience. Donc, les services existent, vous qui êtes des chômeurs, et puis des fois, il y a des trainings que nous organisons. Donc, même pour faire le volontariat, donc il faut passer par ces sites. Donc, la personne ne peut pas vous contacter directement. Non, si la personne veut faire le volontariat avec nous, la personne peut se présenter directement à l'office et puis remplir les formulaires. Là, c'est juste pour l'emploi que vous avez. Non, cet emploi, c'est autre chose. C'est juste quelqu'un qui veut de l'emploi et puis puisque les volontaires, il y a aucun emploi ici vous pouvez obtenir sans pour autant qu'on cherche des références. Alors oui, quiconque vient pour le volontariat, on peut lui accorder une référence pour dire que non, la personne peut bien faire votre travail, c'est ça. Okay. J'espère que c'est vraiment clair, donc on avance bien, les choses sont vraiment très très claires. Alors, papa Jacques, sport. Le sport, la question, il y avait une question par rapport au sport. Question de Patricia, moi aussi. Elle voulait savoir, elle a dit que, en fait, la question ne la concerne pas vraiment, mais ça concerne une autre soeur qui n'est pas aussi congolaise, je crois. Mais elle voulait juste savoir, parce que est-ce que le sport, il a son fils qui veut faire le sport, le football. Alors il demande, est-ce que vous avez des clubs ou bien c'est juste divers, les sports divers des enfants, ou bien vous avez comme par exemple un club où l'enfant veut adhérer à un club de football. Vous pouvez aussi aider dans ce sens-là. C'est une question qui me demande de revenir un peu sur ce que nous sommes en train de planifier. Donc, pour répondre à la question, j'aimerais dire que nous sommes en train de planifier, d'organiser une étude, c'est-à-dire que d'actualiser une étude des besoins de la communauté. Donc, dans peu de temps, peut-être 2 ou 3 semaines, nous allons envoyer des questionnaires sur WhatsApp, email ou même sur papier. Et nous allons demander à quiconque va recevoir de partager. Et à partir
de dépouillement de ces questionnaires, nous saurons exactement qu'est-ce que la communauté francophone vivant à Birmingham, Walsall, Wolverhampton, Dudley, Sandwell, qu'est-ce qu'ils veulent comme priorité. Alors, pour répondre à la question, si par exemple le jeune âgé, par exemple de 10, de 8 à 20 ans, disent que nous voulons le sport et qu'il y a par exemple 70% de ces jeunes-là qui veulent le football. À ce moment, c'est une indication claire que nous devons mettre en place, par exemple, une équipe ou une académie de football. Et nous cherchons, nous allons chercher des moyens puisque les gens viendront. Mais là, tel que nous sommes, nous ne faisons qu'organiser des activités sportives, surtout durant le half-term, c'est-à-dire que durant les congés, peut-être 2 ou 3 fois. Donc, donner des informations pour adhérer dans des équipes, on peut le faire puisque nous connaissons des familles dont les enfants appartiennent à certaines équipes, à certaines académies. Donc ça, on peut donner. Mais pour que nous puissions nous engager directement à mettre en place une académie où il faut vraiment que cette demande vienne des jeunes eux-mêmes. Si nous voyons qu'ils sont à 30, 40, à ce moment-là, ça nous donne la motivation d'aller chercher des moyens et de pouvoir mettre ça en place. Et aussi, à travers cette étude des besoins, les adultes, puisque jusque-là, on n'a pas encore touché cette catégorie pour les sports, en dehors des vieux de plus de 50 ans qui sont en train de participer à certaines activités sportives dans le cadre de nos activités. Mais pour d'autres adultes, on n'a pas encore touché. Donc c'est aussi une occasion pour eux de s'exprimer, pour dire que nous voulons aussi le sport. Le Mais sport pour comment, le moment... Comment ils vont savoir que les sports dont vous parlez, si vous ne passez pas l'information? Parce que, comme je sais que nos adultes congolais, ils aiment bien les sports comme loisirs, oui, le football. Absolument, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, nous, on ne peut pas deviner et puis conclure que non, vraiment... Donc, si, par exemple, une personne a une idée d'organiser n'importe quel sport, par exemple, organiser un match amical, si cette personne venait vous voir pour vous proposer l'idée, donc vous allez aider, ou c'est dans ce sens-là que nous voulons avoir plus d'informations. Parce que quand vous parlez des sports, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai une idée, je veux organiser un match amical, je viens, je vais, Papa Jacques, j'ai un projet, je veux organiser un match, nous avons besoin de nous aider. Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là ou bien vous envisagez ça dans un autre sens? Le sens dont vous parlez là, c'est comme lorsque nous avons commencé, on avait une paire de vareuses, on avait des ballons et puis il y a des jeunes gens qui souvent jouaient pendant l'été et ils sont venus, on leur a donné tout et tout s'est parti. Mmh. Ils n'ont pas retourné ça. Donc, ce dont je suis en train de parler, c'est beaucoup plus si les besoins se font sentir au niveau de la communauté. Par exemple, quand nous distribuons ces questionnaires et que sur 1000 questionnaires, par exemple, il y a 300 personnes qui disent que nous voulons nous engager dans le sport. Et puis, dans ces questionnaires, il y aura aussi l'option si quelqu'un veut laisser ses données. Donc, ce sont des données qu'on va traiter avec confidentialité. Par exemple, l'email ou le numéro de téléphone qu'on peut le contacter, ça ne pourra pas être passé à d'autres personnes. Donc, il y a des policies comme ça. Il y avait une préoccupation d'une sœur de Birmingham, Christelle Kapuya. Elle a dit qu'apparemment, vous privilégiez Sandwell. Parce que je crois qu'il y avait quelques leaflets de sport et souvent toutes les activités se passent à Sandwell. Elle veut un peu savoir pourquoi est-ce que Sandwell est privilégié. Est-ce qu'il y a une raison apparente, il y a une raison qui fait que toutes les activités soient à Sandwell?
Elle a totalement raison, je comprends. C'est-à-dire que quand vous prenez un fonds de Central Council, donc vous ne pouvez pas aller organiser cette activité en dehors du territoire donc, géographique de Council. C'est ça le problème. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si nous recevons les questionnaires et en les dépouillant, nous nous rendons compte que non. Il y a, par exemple, 200 personnes qui ont choisi de faire le sport. Et ces sports-là, par exemple, parmi ces 200... Puisque dans les questionnaires, quand on vient, on sait que tel questionnaire, c'est d'une femme, tel d'un jeune, tel... dans ce sens-là. À ce moment, on fera en sorte qu'on puisse développer des activités plutôt que de faire une seule activité et puis laisser... nous pouvons nous dire que, bon, voilà, comme il y a un groupe, par exemple, plus de 100 mamans qui veulent participer régulièrement au sport, et quel est le genre de sport qu'on peut bien développer? Est-ce que c'est le nzango? Est-ce que c'est le football, netball? Par exemple, maintenant, là, nous sommes en train de pouvoir le netball pour des jeunes filles. C'est tous les lundis à partir de 17h. 17h à 19h, il y a netball uniquement pour les filles. Là, ça se passe où? À Windmill Center. On n'a pas ce leaflet-là, mais d'ici là, je vais publier ça encore puisque c'est un projet qui a commencé depuis longtemps. Bon, je disais que quand il y a un groupe de gens, par exemple, plus de 100 personnes qui disent que non, nous voulons faire les foot, nous voulons faire ceci, à ce moment-là, on va développer des projets de telle sorte que, par exemple, pour le moment, nous nous disons une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, il y a un sport. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un seul événement, mais ça devient un peu régulier puisque il y a des financements là où nous frappons. On peut vous donner un financement pour 6 mois, soit pour une année. Alors, s'il y a un financement pareil, on peut se dire, bon, voilà, nous mettons en place un horaire pour dire que non, tous les vendredis ou tous les samedis, il y aura sport pour les mamans, par exemple, ou sport pour les jeunes. Donc, c'est ça. On peut même regrouper. Par exemple, nous allons dans un parc où il y a un groupe pour les mamans des enfants et essayons un peu de promouvoir ça. Mais il faut que les besoins viennent des gens qui vont répondre à nos questionnaires. Donc, ce qui fera que si vous avez déjà commencé, et ça sera facile pour que les gens commencent à organiser des grands événements, par exemple des tournois entre les femmes de Birmingham et les femmes de Sandwell, et ainsi de suite. Mais nous devons commencer quelque part. Mais avant de commencer, il faut que ces besoins viennent de bénéficiaires. Donc, si nous devons mettre en place toutes ces activités-là, il faut vraiment que les besoins soient identifiés, que les gens expriment ces besoins. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons nous engager à faire cette étude des besoins et nous recommandons aux gens, nous demandons aux gens de pouvoir répondre quand ça sera prêt. Ah, ok. Je crois que les gens sont en train de nous suivre très attentivement. Alors, lorsque vous parlez des activités, des enfants, des jeunes, des adultes, en fait, c'est comment? Essayez un peu d'être spécifique et puis parce que les activités, donc. Bon. Qu'est-ce que les activités? Oui. Qui sont d'emblée. Liées aux enfants et celles liées aux. Oui, les activités des enfants, c'est celles que nous délivrons facilement. Puisque les enfants viennent. Donc les enfants n'ont pas à se poser une question lorsqu'il y a une activité. Par exemple. Le football ou toutes ces activités que nous organisons pendant les congés. Il y a la musique aussi. Vous savez que nous avons passé pratiquement une année, malgré le Covid, en train de former les gens à jouer au piano et puis à la guitare. Sauf que beaucoup de familles, bon, beaucoup de ces enfants n'ont pas pris ça au sérieux. Mais sinon, on doit avoir quelques enfants qui jouent déjà dans certaines églises. Et pourtant, c'était une opportunité pour que, par exemple, nos églises charismatiques aient leurs propres enfants pour jouer. Donc, on va encore recommencer, pas recommencer, poursuivre cette activité de formation
jouer au piano, au keyboard, et puis drum, deux des mains déjà ici, 84A High Street, B661AQ. Donc, quiconque... L'adresse est là. Oui, l'adresse est là. Noter. Ah oui. Ouais, pour, bon, donc c'est ça. Donc, Homeway Club, aller en trip, vous voyez, toutes ces activités des enfants, les enfants sont contents puisque ils viennent et ils sont nombreux. On n'a pas de difficultés, il n'y a pas de questions. Mais quand pour les adultes, des fois... Quelles sont ces activités pour les adultes, par exemple? Bon, il y a par exemple, on a parlé de l'éducation, on a parlé de e-sol, on a parlé de l'emploi. En dehors de cela, il y a toutes ces activités de welfare, par exemple. On a parlé de logement, on a parlé, peut-être il faudrait ajouter tout ce que nous faisons comme, par exemple, vous n'avez pas un réchaud, vous n'avez pas... un frigo, vous n'avez pas de lits, vous n'avez pas de meubles. Si on vous a offert une maison et que vous n'avez rien, c'est-à-dire qu'on peut vous aider gratuitement, obtenir de meubles, obtenir un réchaud, un frigo, tout ça, c'est pour les adultes. L'emploi, c'est pour les adultes. Mm. Bon, maintenant, ce qui concerne des activités communautaires, par exemple, les sports, souvent ils ne viennent pas. Et puis chez nous on a cette peut-être tendance. Il faut voir par exemple comment vous organisez cela, parce que moi je trouve que en fait notre communauté, je parle de la communauté congolaise, en tout cas ce qui est loisir, en tout cas ils aiment par exemple le football. Maintenant peut-être il faut changer la tactique, peut-être changer la façon de faire les choses. Bon, je sais que, par exemple, au niveau du football, souvent, il y a quelques matchs qui sont organisés pendant l'été. Mm. Alors, si réellement les gens sont engagés, il ne faut pas que les gens attendent l'été pour jouer. C'est-à-dire que nous avons des salles, les sports dans des salles. Maintenant, c'est là où il y a les problèmes. Parce que quand vous dites que non, il ne faut pas que les gens attendent. Mais si les gens ne savent pas que nous pouvons jouer, donc il y a, parce que les gens savent que si on veut aller jouer indoor, donc le football à l'intérieur de la salle, donc il faut payer. Mais si au moins ils savent que même pendant l'hiver, nous pouvons jouer, il y a une salle disponible. Le problème, c'est l'information. Est-ce que les gens sont informés? Est-ce que les gens savent qu'il y a une salle de sport où nous pouvons même aller jouer le football même pendant l'hiver? C'est là où il y a le problème. En principe, les gens sont conscients de tout ce que nous délivrons comme activité. Et puis, c'est la raison pour laquelle aussi, nous allons envoyer encore tous ces questionnaires pour qu'ils puissent identifier quels sont leurs besoins et quelles sont les activités auxquelles ils veulent se livrer. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est comme l'exemple que je t'ai donné. Donc, on avait des vareuses, donc... l'équipement de football qu'on a donné à ces jeunes-là, ils en ont pris et puis c'est tout, donc c'est parti. Ils n'ont même pas retourné ça. Donc pour autant dire qu'on veut promouvoir, c'est la raison pour laquelle on se focalise beaucoup plus sur les enfants, puisque les enfants viennent, donc il n'y a pas de questions. Mais des fois, avec les adultes, tant que les gens vont réfléchir que non, c'est-à-dire que ça constitue déjà une barrière pour eux de venir participer à nos activités. Or, à ce moment, ce sont eux qui perdent. Hein? Ce sont eux qui perdent. Pourquoi? C'est puisque nous sommes tous à la cave. Mundela Zobate. Donc, ce qui a été qui m'a mis quelque part, puisque Ayebi. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle, nous sommes tous défavorisés, nous sommes tous désavantagés. C'est-à-dire qu'il y a des activités, par exemple, des abonnements pour aller au swimming, pour aller à la gymnastique, tout ça, nombreux parmi nous ne sont pas à mesure de le faire puisque nous, on est saturés, on est coincés à dehors de toutes les dépenses que nous effectuons ici. Donc, de temps en temps, il faut envoyer de l'argent au pays, ce qui n'est pas le cas avec les natifs d'ici. Donc, il faut que Tindambongo, il faut que Salabo, des fois, on n'a pas ces ressources
pour te participer à l'activité Nyo Soto. Non, non, je voulais. Je voulais dire que on est un peu défavorisé parce que des fois on est limité pour tous les abonnements. Des fois on peut avoir des moyens pour que tout ça l'ango, mais quand on sait qu'il faut qu'au Tinda, il faut que ça l'aboie des fois. Alors, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est de profiter de certaines opportunités que, bon, voilà, alors, cet argent peut servir pour que tu organises l'activité. Alors, par exemple, au début, vers des années, je pense, 2013-2014, tu as dit que tu as dit que tu as dit que et même Yangwana, on faisait passer l'information, mais on n'est pas là, donc on n'est pas à reprocher les gens. Mais ce que nous voulons dire, c'est que les activités charitables ou les charités telles qu'elles existent partout où ils sont. Par exemple, j'ai toujours dit, à Birmingham, nous avons African French Speaking Community Support, nous avons Central African Refugee Link, Pachomari, nous avons Entraide, il y a M. Félix Coupaille. Donc, et toutes ces organisations organisent l'activité pour la communauté. Alors, quiconque participe à l'activité, il y a un bénéfice. Alors, ce qui est a été, peut-être, ça n'est bien, comme on dit, c'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Mais, Bissot, même si tu n'es pas malade, même pour l'information seulement, on peut toujours donner ça. Donc, c'est pourquoi je dis, et on travaille en synergie. Donc, on travaille en synergie dans ce sens que comment répondre aux besoins. Il y a communauté. Donc, au moins, Moutoumoussous peut-être en a besoin. Aïbi même pas, ndeni na woluka information, ndeni ni akoki ko luka lissal ici. Au moins, à ce moment, akopé sa faute nanani. Et pourtant, nous sommes là, tout le bac. Par exemple, l'émission tout ça, là, où nous donnons de l'information, de la bonne information. C'est ici où bah, tu peux, il fallait bah, s'abonner, bah, yo, kaka, puisque en cas de difficultés, bah, on a une réponse. Mais Ming va s'abonner à la banque. Donc, tu peux avoir mon émission, elle dit, ah, tout le monde. Mais tu peux avoir une difficulté, tu peux avoir une difficulté. Exactement. Oui, tu peux avoir une information. Mais à l'ingia passé en haut dans mututi. La charité, c'est l'amour du prochain. Donc, tout ça, l'amour du prochain, là, ne fût-ce que donner l'information, partager des missions, puisque autour de Bila, par exemple, bonjour, c'est vraiment crucial, c'est vraiment important pour la famille, pour la bana, pour la jeune, puisque au moins, tout ça, la plus activité, la jeune ming, pourquoi? Puisque, Bamikolo, tu es à l'école à tout tika bango. Alors, il faut que tout le monde va évoluer très bien, va réussir. Au moins, va réussir la vie. Peut-être dans quelques temps, au moins, tu auras la émission sur comment on va faire la grammar school. On va se préparer pour faire la grammar school. Émission sur l'école privée. Au moins, nous avons beaucoup de émissions. Tel que Oyo. Alors, ce que tu as abonné, tu peux aller à l'accabolaté. Au moins, il y a une information cruciale à rater quand tu as puisque pendant que tu es au Loba, il y a des autres années, ma boke, ce qui va finir avec Moutou, tu as surtout baké Kuna, tu as surtout baké Kuna, tu as surtout baké Kuna, mais il y a comme ma cambo sérieux, rien. Au moins, jusqu'à là, tu as abonné combien à peine 190. Mais au Makambo, ils ont la rapenza, au Yoko Sunga Penza, banana bisote, bakoman à niveau à bien, au moins 6 000, 10 000, 20 000. Au moins, biso Isaac, toi, es bamikolo, mais tu as besoin que banana biso ba réussir. Au moins, tu pèses à mon effort, et yango biso peza te rebella, na biso moko, yango to lingak, to aide bato. Alors, il faut biso, binon de bo profiter. Donc, l'activité, il y a des jeunes ou des adultes dans le lobby. Tu as une activité, il y a over 50, il y a des micros.
et groupe Bamikolo ils allaient très bien puisque ce groupe c'est une opportunité basa les fort baya puisque basa trop isolé au moni ce groupe en couple boutique la baka bien bamoui balé ce que ça y est moko il faut que au moni nous surtout mais ce basangani ça fait du bien au moni tout ça trop isolé or bato basa isolé basa peine avoir problème il y a problème mentaux au moni donc problème à santé problème mentaux. Or, awa balingini ni somoto azana azosala activité éducation physique activité sportive en ce moment c'est un peu difficile muto akweya abuka na mukongo ou abuka na hanche amoni nyoso na to eza calculé donc ba pesa jamais mbongo que no bozwaka ningwana non donc ba na besoin ba résultat moko amoni a supposé que muto asali ba activité wana et que alingo kweya à Lingo Bela, par exemple, après deux semaines, mais à Belité. Donc, épargner l'État à dépenser Mbongo sur Mutuana. Donc, ils ont un calcul très bien fait. Même l'activité à Bana, au Salara, ils ont Makambu, au Balobelaka, mobilité sociale. Ndeni mwana à Olo, on a background, la situation de pauvreté, au moins pour Akende. La situation moko ya richesse au moni presque bisonyo soto a mikolo ba mbongo toza eza ba moins de 30 000 par an ba o ba salaka au moni mendeni ni mwana akoko longwa na moins de 30 000 o ya famine akende plus de 40 50 au moni eza ba bilo kwa ningwana donc c'est très bien réfléchi ah ouais alors yango to salaka mais batmosus ba comprena batmosus pe bazaka na kidiba Omoni dans son moni la activité na bisa à Longoli. Son moni en trade ou Kerling et ça les loca à Longoli. Oh ba iba kambongo o ba sala ka boy mais entre-temps ba bosani que nous sommes tous là ka ils a très bien calculé. Ah ouais. En tout cas vraiment papa Jacques ba bien formation onde yango quand ngo lobby c'est toujours comme ça. Les émissions Oyo Eza éducatives, c'est vraiment très rare de voir notre communauté s'impliquer, qu'autant pour partager, comme tu as dit. Eza kaba biloko yo ba futilité, biloko yo, ça n'apporte même rien du tout, ni na mutazo landa, ni na famille, ni na mutazo kabolelaye, en gros. C'est là où tu verras des milliers de personnes en train de suivre et en train de partager. Ça fait très très mal. Et pourtant, ça c'est un trésor caché. Oyozo bimso. Bah, oyo bako saisir opportunité oyo. Nde ba oyé ba résultat na ngona ba jour tozo ya. C'est ça. Bah, oh, peut-être parce que comme on dit là, on est là dans 5 10 ans, on va voir notre jeunesse oyo binou besoin cadre lelo. Dans 5 10 ans, nde to oyé ba. Na muto a profita ki ne loko oyo, résultat ni pesi na bana nae. Na muto a négligé ki akoma kota là. Bana baninga. Envie et côté, c'est ça. Jalousie. Jalousie et côté, mais pourtant, l'opportunité est personne qui n'a pas de nous. Il y a toujours bien de la communauté, il y a des gens qui ont été battus. Quand les gens se battent aujourd'hui pour la banane, que les lots au samedi, même sous maman, ça l'a du lundi au vendredi, mais le samedi à l'obité, il y a des gens qui ont été battus. Il y a des gens qui ont été battus. Même sous ce temps, on s'est devant la moine exacte. Mais il y a des gens là qualifiés au besoin d'aider Bana, n'a pas des fois pour essayer un peu de orienter Bana Bisho. On vient avec d'un système éducatif qui est totalement différent de ce système. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont l'ouki l'issunité, c'est-à-dire que les enfants vont se perdre. Ceux qui ont l'ouki l'issunité, Bana Bisho, Bolinga, Bolinga, te, bako se perdre. Alors, ceux qui ont l'opportunité de faire ça, maman, papa, bisika, yozali, zoaton, yako luka koyeba, ko se renseigne. Ba tu bangoyo, o bazo ede. Benga téléphone, si vous avez besoin de téléphone, zoa rendez-vous, ba expliquer yo, comment est-ce que le système éducatif en boko yo, et marchaka. Et ça, nan wo li soumoute, to bota mawate, to yako ya, to kouta ba système o yozali. Donc, alors, l'information est très importante, koyeba. Comment est-ce que tu as ça? Parce que tu as lobby lobby, bana oyo ba parents ba ngo bazo bundana pona bango et comment est-ce que tu as jalousie et comment est-ce que tu as makambo ebele ebele
c'est encore le moment. On fait l'appel. Namutunyoso, porte fond. Moi, mina mutunyoso na parents nyoso. Moi, je trouve que biloko yo, je ne sais pas. Si ma parents nyoso, ba umona mo ndenga na umone, je ne sais pas. Mais pour moi, ben formation, ben émission à Rolanda, yango. Même papa, maman aux Hollandes, même na moana aux Hollandes, aux expliquer, ils sont capables de comprendre l'ingala bien te français. T'es mauvais, c'est à la baolo baolo baolo. Tant que super moi là, ils m'ont cause à l'intéresser. Ceux qui m'ont déjà été déjà là 15 ans à cause de l'intéressé moi à côté en contact et moi j'ai obligé de yo maman ok il y a beaucoup à côté en contact à benga tout na ayeba bah on a vu que nos enfants sont délaissés à eux-mêmes na makambo et tel d'éducation vraiment papa Jacques merci beaucoup pensa pour na interpeller communauté na vu que na likambo yo ndeto kobeta CTP kosepe la mingi na koyoka pour na ba au niveau sur le programme au lobby que vous envisagez et Zoya pour n'aka toujours dans les cas oui, oui. Par exemple na entraide na soliol basa na homework club tout d'abord ba famille congolaise tika ba na bango ba combien peut-être ta famille mourote mais la soliol ba famille congolaise basale mani ya on papa makam to lo bani yango siko na yebite. C'est quoi la priorité des parents? C'est ça. Nangonga o so keza ba classe éducation à banaté. On voit pas c'est quoi la priorité. Donc en tout cas chose to ba Nicolo, mutuna mutwazo ye ba eloko aligi pona bana na ye. Ah ouais. Mais l'essentiel information bo bombi yango te. C'est ça. Bo binisi yango à la portée de tout le monde. Alors papa Jacques, immigration na sociale. Bon, Edeni bande ko ba ko zo na. Bon, on m'a dit sur le plan immigration, tu peux directement bah conseil à immigration, puisque tu as qualifié na qualifié dans l'OIC. On m'a pour que tu sois loco, il faut que tu sois. Il faut que tu sois la qualification à immigration et puis que tu sois enregistré. C'est la raison pour laquelle poste autozo. Tout ça est la publicité awa et bandi lelo to lingi pe mutu moko azana qualification na comme ça to se faire enregistrer na bata OIC omoni pour que to pe saka ba conseil immigration et jusque là ce qui mutu ayé na problème ko immigration to tinda bango soit na brushstrokes to tinda bango pe et pas na entraide ça dépend et même si to dit mutu qualifié cela ne va pas nous empêcher il y a ko sign poste ou routine d'abattu ailleurs ou bah vous appelez service moko bien mais trop souvent au moment mutu akokoya par exemple na dossier ya ko renouveler statut ne azagina 4 ans il faut au moment mutu mususu akoya na dossier ya naturalisation citizenship au moment ou ya ba passeport mutu mususu pe aza demandeur d'asile aibi anglais te donc il faut ko expliquer ba makambo au moment c'est la raison pour laquelle totinda batu souvent na organisation ou ezana batu qualifié alors ce qui peut bisomogo toza na mutu qualifié awa et ko faciliter un peu problème surtout problème à langue omoni na entraide na monsieur Félix Azali monsieur Guy Azali de batu bagolo ba français bagolo ba lingala surtout pour na communauté na biso bon mais par contre na brush strokes mutu aloba français a été au moins donc est commis un peu handicap ce qui occupe na migrant refugee center multiple en français a été est commis handicap à ce moment là de loca toujours volontairement ko ce qui muta wolo banglais c'est pourquoi de organiser ba cours puisque to ibike ba difficultés a mais sauf que ba to bazana difficulté wana il faut baya ba profiter ce qui ba yé ba profiter te bah vous êtes toujours dépendant ou bien formation et ben dans lesquels ben on rend n'importe donc c'est pourquoi tout ça là bas court au mieux surtout donc ce qui te recruter nous faisons la qualification et puis te se faire enregistrer voilà et au comaké bah conseil monsieur sous bisous tout le monde peut s'engo à partir ya drop in on a téléphone mais ce qui ça quand moko un peu compliqué te routine d'ango ailleurs. Par exemple, na niveau ya entraide bazala bien puisque ba travaillera na ba sollicita so tindi dossier à moto facilement ba recontacter sollicita même dossier ya ndaku
au moins facilement bah contacter solliciter bah travailler mais biso comme tout toi na niveau en athée et moyen de s'occuper n'ango pensa bien exactement mais ce qui est bien pour na biso c'est que quiconque vient avec un problème quelconque on peut donner des conseils on peut l'orienter et surtout éviter que Moutou a hein, donc qu'on désorienter Moutou qu'on passe information mabé ou que ça là et logo que Moutou a comment regretter au moins c'est ce que nous avons toujours évité depuis longtemps donc c'est ça c'est la raison pour laquelle bateau ban intérêt bas elle a toujours en contact plutôt que hein, au moins souvent ce qui se passe au moins Moutou au moins une organisation n'a bien non ils ont engagé ils ont abusé surtout puisque l'organisation existe à pour répondre à ma besoin. Moi, je travaille full time, mais à dehors, à travail, on a aussi même quelque chose de plus pour la communauté. Donc, surtout, ça, on a engagé, mais ils appellent à you. Moi, puisque ce qui est bénéficié, mais ce qui est bien sûr, que ça a un problème, tant mieux, mais c'est toujours important de la connecter, puisque so lingi ote ogo linga aspect mususu omoni même baspe ya bemiso kandengi tuzo sala ba tu bako za intéressé omoni to sala ba campagne awa ya vaccination ba bemission sur covid bemission sur ba assurance omoni c'est-à-dire que nan lelo ba tu mingi pe baso kufa na communauté ba za na assurance te omoni et pourtant to sala ngodo ndengi tuzo loba donc quelque part ba tu baza na intérêt il y a cause à la connecter bah le belapé makamoto puisque auto lobaka isamo tuya c'est vraiment très important pour votre bien-être à mon est très important pour votre bien-être donc on aura quelqu'un avec une qualification sur le plan conseil en rapport avec l'immigration nous le souhaitons bien mais c'est ça et puis sur le plan social comme on disait donc il y a le welfare. Donc, le welfare, c'est-à-dire que comment s'occuper du bien-être de la population. Comme je disais tantôt, on vous donne une maison de council, de housing association, où vous n'avez rien. C'est-à-dire que nous, on peut aider à vous accorder le meuble, faire de funding application pour cooker, washing machine. Et nous avons des témoignages, nous avons des gens qui ont reçu ça et qui ont filmé et nous ont envoyé ça. On a jamais demandé ça, mais eux-mêmes pour nous remercier, dit que voilà, et puis c'est vraiment bien. Donc, en dehors de cela, si par exemple quelqu'un a des problèmes de dette, on peut aider. Là, on ne peut pas aider. On travaille des concerts avec Citizen Advice Bureau. Donc c'est ça, c'est-à-dire que bon, il faut que les gens viennent pour découvrir. C'est ça. Alors Papa Jacques, il y a un nouveau service qui a commencé, je crois, il y a peu de jours. Peut-être nous allons en parler plus en détail dans nos prochaines émissions, mais juste annoncer à nos internautes, à notre communauté, de la lutte contre la pauvreté énergétique. Donc, ce nouveau service qui vient de commencer, comment ça va se passer et comment la communauté va en bénéficier? C'est ça. On a vu ces leaflets. Leaflets étaient là. Donc, comment lutter contre la pauvreté énergétique? Les gens doivent savoir que les prix de gaz et électricité dans ces pays ne fait qu'augmenter. Et en avril, ça va encore augmenter. Oui. Alors, il y a des moyens qui sont mis à notre disposition pour aider les gens comment épargner l'énergie au niveau de la maison. Donc, éviter les gaspillages. Donc, on va donner des conseils sur les techniques pour éviter les gaspillages puisque si quelqu'un dépensait 10 livres, il y a cela 10 ans, pour son électricité. Donc, au prix actuel, c'est plus 10 livres. C'est-à-dire que si avec 10 livres, il pouvait bien utiliser l'électricité pendant une semaine, c'est-à-dire que pendant 7 jours. C'est-à-dire qu'avec l'augmentation actuelle, cela signifie qu'avec 10 jours, et 10 livres, tu ne pourras utiliser que pendant 3 jours.
Donc, pour couvrir toute la semaine, il faudrait dépenser au moins 20 livres. Maintenant, c'est la même chose avec les gaz. Alors, à travers ces programmes, on va beaucoup plus rendre les gens conscients comment épargner l'énergie. C'est-à-dire qu'avec 10 livres, plutôt que de faire 3 jours, ça peut faire ne fût-ce que 4 ou 5 jours, puisque vous êtes conscient que nous devons faire ceci, nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. Et au même moment, il y a des gens qui se plaignent que non, voilà, avec cette compagnie ici, les factures sont toujours exorbitantes. Alors, on peut aider aussi pour swapper, c'est-à-dire que pour changer. Pour changer. Et donc, tous, vous savez au moins les compagnies qui sont... oui, c'est-à-dire que tout ça, même si nous-mêmes, nous ne pouvons pas les faire directement, il y a d'autres compagnies qui les font. Et nous sommes là pour aider. Et aussi, j'aimerais attirer l'attention des gens. Et nous voulons... tu vois, Mamagui, ce que nous faisons, nous voulons beaucoup plus des gens qui méritent. Qui méritent cette aide-là. C'est-à-dire que moi, si je vais au travail et qu'on me paye, je ne peux pas me comparer avec quelqu'un qui en bénéfice, qui reçoit des allocations. Donc, ce n'est pas juste. Alors, à supposer que quelqu'un a le prepaid meter dans la carte ou la clé pour aller acheter de l'électricité à la poste ou dans des shops, et qu'à cause de votre niveau de revenu qui est bas ou il y a un problème qui s'est passé, donc ces jours-là, vous n'avez plus de l'électricité. Et à ce moment, nous, on peut intervenir pour dire, bon, voilà, nous allons envoyer votre dossier à une compagnie qui va vous aider avec peut-être 70, 70 livres pour les gaz et pour l'électricité. Mais il faut vraiment mériter. Donc, il ne faut pas seulement, puisque vous avez appris, et vous venez, non. Il faut vraiment... être dans les besoins, oui, oui, être dans les... ça aussi, dans le cadre de ces projets, on peut le faire. Bon, comme nous voulons que les gens puissent épargner l'énergie, il y a des gens qui ont des réchauds qu'ils ont achetés il y a cela 10 ans, ou des frigos, tout ça. Et si vous voulez aussi changer, on peut toujours aider avec nos funding applications telles que nous les faisons pour que vous ayez des nouveaux... white goods, quoi, des nouveaux, par exemple, réchauds, frigos, washing machines, des nouvelles machines qui consomment moins d'énergie. Donc, c'est un programme autour de comment épargner l'énergie, comment épargner votre argent. Oh, oui. Ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons former, surtout nos frères qui vont dans des églises comme ça, ils peuvent aussi former d'autres. Mais au même moment, il y aura des émissions sur ça où on fera appel aux électriciens, aux gens qui travaillent dans les sphères des gaz pour donner plus d'informations. Et puis, ce que nous faisons là, l'information reste sur YouTube, sur Facebook. Donc, quelqu'un peut repartir et puis suivre encore et puis avoir l'information. Donc, nous le disons, puisque si vous êtes dans les besoins, venez nous contacter. Si vous avez besoin de vouchers pour l'électricité ou les gaz, venez nous contacter. Si vraiment vous méritez d'être aidé, nous allons passer votre dossier à une organisation qui s'occupe de cela pour le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disions avec Maman Magui que si vous êtes branché, c'est vous qui bénéficiez de tout ce que nous faisons. Et si personne ne vient, il n'y a pas de problème, puisque les besoins, c'est pour toute la communauté, c'est-à-dire que si les Africains francophones ne viennent pas, les Indiens, les gens de Bangladesh, ils seront toujours là pour bénéficier de tout cela. Okay. Merci beaucoup, Papa Jacques. Nous sommes arrivés à la fin de notre session d'aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien, juste en quelques mots, juste nous dire, au fait, récapituler, ou soit si vous avez un message vraiment très fort à propos de tout ce qu'on a partagé sur ce plateau, de vous adresser à notre communauté, la communauté francophone en général et congolaise en particulier, par rapport à tout ce qu'on a
on a pu partager sur ce plateau. Ah ouais, ouais. J'aimerais ajouter un autre projet que nous sommes en train de délivrer ces jours-ci. C'est la campagne sur le réchauffement climatique. Donc, hier, on a eu une longue émission avec l'ingénieur Fabrice Nkonko. Donc, j'aimerais remercier d'abord les églises qui ont accepté que nous puissions promouvoir, faire prendre conscience aux fidèles pourquoi chacun doit contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et c'est très important puisque, comme la Bible dit, faute de connaissances, mon peuple périt. C'est-à-dire que nous risquons tous de périr puisque nous ne voulons pas prendre les choses au sérieux sur le plan climatique. Donc, ces projets-là continuent. Il nous reste encore... demain, nous serons à l'église des pasteurs AFO. Et il nous restera encore 5 autres missions, 5 autres workshops, ateliers dont nous passons dans d'autres églises. Et au même moment, il y aura aussi des émissions qui seront encore organisées au niveau de notre chaîne UKFC TV et notre Facebook. Ce qui veut dire que, comme nous avons dit tantôt, c'est une opportunité pour que les familles comprennent comment orienter les études de leurs enfants, surtout dans les différents domaines liés à l'environnement, parce qu'il y aura énormément de jobs dans ces domaines-là, même au niveau de notre pays, même au niveau de l'Afrique, comme notre ingénieur Fabrice nous l'a démontré hier. Bon, pour ce qui... En résumé, donc, nous allons entreprendre une autre étude des besoins de la communauté. Donc, nous enverrons des questionnaires par WhatsApp, email, voire même sur les papiers. Et nous allons vous demander de bien vouloir remplir ces questionnaires et puis de nous les retourner. Comme ça, cela va nous donner une idée sur les activités qui sont le plus demandé par vous, que ce soit les sports, que ce soit l'éducation, tout ça. Donc, on tiendra compte de toutes ces activités pour que nous puissions développer nos services. Et comme j'ai dit tantôt, nous ne sommes pas les seuls à pouvoir ces services. Il y a Central Africa Refugee Link, il y a aussi Entraide, il y a aussi nos vieux qui étaient déjà là, par exemple, le vieux papier coulis, il est toujours occupé dans d'autres choses, mais quand on l'approche, il est toujours prêt à pouvoir aider des gens qui ont travaillé longtemps pour la communauté, qui ont fait la fierté de cette communauté. Nous sommes là pour vous. Alors, si vous ne venez pas, il y a d'autres personnes qui viendront. Et ici où nous sommes situés, c'est sur High Street. Et n'importe qui peut venir et bénéficier de nos services. Donc, veuillez partager nos émissions, veuillez vous abonner, veuillez parler de nos émissions à d'autres personnes, puisque ce que nous faisons, c'est vraiment pour notre bien-être, pour notre vie, pour notre avenir. Ce n'est pas de l'amusement. Bien sûr que nous tous, nous voulons bien suivre d'autres choses, mais comme j'ai toujours dit, c'est une chaîne complémentaire, mais les gens devaient beaucoup plus aussi attirer une attention particulière à ce que nous disons, à ce que nous faisons, à ce que nous offrons comme service, et nous donnons l'opportunité aux gens, nous orientons les gens vers d'autres organisations, vers d'autres services, puisque nous-mêmes, nous ne pouvons pas offrir tout ce dont vous avez besoin. Donc, c'est une nouvelle année. Si nous pouvons repartir sur de nouvelles bases pour que nous puissions vraiment saisir des opportunités, bénéficier de toutes les opportunités qui nous sont offertes, je pense que ça sera pour votre bénéfice. Merci beaucoup, Maman Maki. Merci beaucoup, Papa Jacques. Merci à vous tous fidèles des UKFC, aussi fidèles de la découverte. Merci pour votre temps ce soir, pardon.
Restez toujours branchés sur cette chaîne UKFC pour les informations sur les informations des sources. Peut-être ce que j'allais ajouter, c'est que n'oubliez pas que nous avons aussi des instruments de musique et nous les faisons louer à un prix social hors concurrence. Nous avons fait de nos mieux pour améliorer la qualité et je pense que les gens ne seront jamais déçus avec ce que nous faisons et nous remercions aussi nos jeunes. Rémi Lubasu, Jethro Mokratana, il y a aussi Christian Ndundula, communément appelé Ré, qui sont toujours là à la pointe pour nous aider avec tout cela. Donc, si vous avez des événements, n'oubliez pas de nous contacter, car c'est pour vous, c'est pour votre bien. C'est pour la communauté. Merci beaucoup. Merci à toi, Ray, pour le bon travail. Et là, j'ai dit félicitations aux jeunes couples mariés, Samy et Naomi Mfumusi. Félicitations à vous. Et pour ce soir, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup de votre fidélité. Bye bye. Jamais la go. Africa French speaking community. Et ça, quoi, il y a tout le monde à Birmingham. Oh, y'a papa Jacques, les apprends aider battu tout la carte à Birmingham. Ils ont un problème à Bénéfique, ils ont un problème à Ndam, ils ont un problème à Mukanda. Africa French speaking community. Ils ont aidé depuis nous à parler. Ils ont aidé depuis nous à y a Bénéfique. Ils ont aidé depuis nous à comme Bilo Wanda. Ils ont aidé depuis nous à comme Mounia Soutou, il y a Mukanda d'infraction au Bimba. Il y a Mokoyo. Oh, pour nous à Mukanda. Oui, en Afrique, French speaking community. Oui, papa Jacques, na Birmingham. Oui, à coup. Oui, à. Bon, là, n'a pas encore dans Facebook, na bango. UKFC TV. N'a pas de Facebook, na bango. Bon, là, n'a pas encore dit tout. Pour Kota, pour Tuna, pour Beng, ça y est, bureau. Pour Sololi, pour ça, les solutions. Nous, surtout, à ma cambo et Tali. Administration, à Mboko. La Birmingham. Allez, adieu.